fut un temps dans les années 90 où l'alezan mansonien disputait la première place au Grand Noir Cadoudal au registre des meilleurs étalons d'obstacles français. Mansonien a marqué l'histoire du rat de la Croissonnais et de l'élevage pelat. Il lui a fallu trouver un successeur. Ce ne fut pas simple, mais c'est arrivé avec Diamond Boy récemment. C'est un cheval né en 2010. Il est issu de l'élevage familial, puisque par Gold of Silver, elle-même par Clint of Gold. C'est le propre frère de Or ou Argent, gagnant de groupe 1 obstacle en Italie, et de Golden Silver, encore meilleur, gagnant multiple, gagnant de groupe 1, lui en Irlande et en Angleterre. Sur les obstacles, Diamond Boy, lui, est resté sur le plat. Il y a gagné 5 courses, dont le prix Scaramouche, une listote, tandis qu'il s'est placé à plusieurs reprises, donc au niveau de listote. C'est un cheval de modèle. 1m69, il est entré au haras en 2012, il aura donc ses premiers 2 ans en 2015, mais on attendra plutôt ses 3 ans bien sûr en 2016. Pour l'heure, il fait la monte donc au haras de la Croissonnais à 1400 € en 2015.